hands up, no, y'all, fuck that. Keep something tough when they jump, got a buck back. Black lives matter, yeah, I'm losing my voice. So mine for survival, y'all removing my choice. It's fuck the pony. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Compton 3987. On se trouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais vous donner une petite information donc sur le DLC qui vient de sortir. Donc le DLC de Caio Perico. Donc voilà, il y en a beaucoup qui se demandaient si on pouvait rejoindre l'île, comment on fait pour rejoindre l'île, etc. Si on pouvait rejoindre l'île de Caio Perico en mode libre. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, donc petite information, donc voilà pour tous ceux qui se demandaient si on pouvait donc rejoindre l'île de Caio Perico, donc du DLC de GTA V en mode libre. Donc oui, c'est possible, mais il faudra absolument, comme je vous mets l'image à l'écran, regardez, tiré du site, il faudra absolument terminer le braquage de Caio Perico en mode libre. Donc en gros, bah déjà, faut acheter le sous-marin, etc., etc., parce qu'il faut avoir absolument le sous-marin pour faire le braquage, les mecs. Donc voilà, il faudra absolument, pour pouvoir rejoindre après l'île de Caio Perico quand on le souhaite, dans GTA Online en mode libre, il faudra absolument terminer le braquage et en tant qu'hôte, les gars. Ça veut dire que, par exemple, si on fait le braquage mais que c'est quelqu'un qui vous invite, ça ne marchera pas. Il faudra absolument terminer le braquage de Caio Perico en mode libre, voilà, pour pouvoir avoir accès à l'île ben, quand on le souhaite, simplement. Parce que moi, pour l'instant, ben, par exemple, j'ai joué aujourd'hui ben, à la mise à jour, enfin au DLC GTA 5, etc. Et je me demandais comment on faisait pour rejoindre l'île et tout. Ben, c'est grâce à un pote qui a acheté le sous-marin, parce que moi j'avais pas les sous, etc. Bon, maintenant je l'ai acheté, c'est réglé. Qui m'a invité dans une mission, que j'ai pu visiter l'île, voir comment elle était faite, etc. Mais pour ensuite pouvoir rejoindre l'île en mode libre, comme on veut, il faudra donc absolument, les gars, terminer le braquage de Caio Perico en tant qu'hôte, pour ensuite avoir accès à l'île quand on veut, en mode libre, dans GTA Online. Voilà les gars pour cette petite information pour tous ceux qui se demandaient. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde les gars, et merci de m'avoir regardé. Allez, salut tout le monde.